Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui, une revue consacrée à deux produits que j'ai achetés récemment. Enfin, ça fait quelques semaines maintenant chez Chiriculture. Donc, tout d'abord, si vous voulez voir le tuto de ce maquillage ici, ce sera par ici. Voilà. Donc, il s'agit donc de deux marques de fards à paupières différentes. J'ai voulu essayer, je me suis dit. Pourquoi pas, on n'entend pas spécialement parler, donc on va essayer. Surtout chez Chiriculture, donc comme vous savez, il y a différentes marques, NYX, Amuse, je sais plus ce qu'ils font d'autres, enfin, ils font plein de marques de trucs intéressants, et moins cher que sur les sites originaux de chaque marque. Donc je vais vous parler tout d'abord donc de la marque Milani. Donc j'ai acheté un fard à paupières de chez eux. Au niveau du prix, il coûte à la base, donc ils étaient à 7,49$. J'ai réussi à l'avoir, donc j'en ai acheté un à 6,75$, ce qui fait en euros 4,70€. Voilà, donc ça fait vraiment pas cher. Et donc apparemment, ce serait une marque italienne, si j'ai bien compris, Milani. Ils font des fards à paupières vraiment très classe, très beaux, très. Donc vous avez vous en avez des différents, vous en avez des métalliques, des marbrés. J'ai pas tout regardé, mais vraiment, ils sont vraiment très beaux. Donc je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai pris. Il s'appelle donc, la gamme de fards à paupières que j'ai pris, donc ça s'appelle Metallic Baked Eyeshadow. Et la couleur, c'est le 605, il s'appelle le Tell the Truth. Il se présente comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Donc je vais l'ouvrir. Il y a un petit pinceau. Donc d'un côté pinceau mousse, pinceau avec des poils. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va l'enlever. Donc la couleur se présente comme ça. Elle est vraiment... Enfin, je la trouve magnifique. Je la trouve divine. C'est une espèce de bleu. On va dire bleu qui tourne, on va pas dire des reflets scarabées parce qu'il y aurait du vert. Enfin, c'est un bleu sombre, un bleu, ouais, bleu vert. Enfin, difficile à vous expliquer. Donc je vais vous faire un petit swatch rapide sur le doigt. Ce qui est vraiment super, c'est que, vous voyez, il n'y a pas grand passage, il n'y a pas besoin d'appuyer, mais vraiment énormément. Un petit passage comme ça, et c'est d'une pigmentation, j'ai rarement vu ça. Au niveau de la texture, je dirais que donc c'est entre la poudre et la crème. Voilà, c'est plus des textures crémeuses comme ceci. Et l'avantage, c'est que c'est pas poudreux, c'est génial. C'est pas poudreux du tout, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort comme ça. C'est voilà, la couleur est jolie, donc c'est un effet donc métallique, pas poudreux. Et la texture se travaille très très bien. Je ne l'ai pas encore essayé au niveau des make-up, mais je me suis amusée à le swatcher, re-swatcher, re-swatcher. J'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent. Donc c'est vraiment vraiment très très joli. Alors humidifié, j'imagine que ce sera encore plus beau. Je vous ferai des tutos, ça y a pas de souci. Ensuite, la deuxième marque, ce sera la marque Jordana. Par contre, ce qui est bizarre sur cette marque-là, j'ai été sur leur site et les fards à paupières que j'ai pris ne sont pas sur leur site de base. Donc voilà, ils font plusieurs sortes de fards à paupières, mais pas ceux que j'ai pris sur Chiriculture en tout cas. Donc j'en ai pris trois couleurs différentes, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand choix. Hein. Au niveau du prix, donc 2,99€, ce qui est vraiment pas cher, donc en euros 2,08€, voilà ce que ça vaut. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Tout simplement, trois couleurs, jaune, bleu et vert. Donc, yellow, blue and green. Je suis trop forte, voilà. Donc, ça, c'est le nom des couleurs. Donc, sur le site de Chiriculture, il y en a 6. Merci, Steve. Et donc, que vous dire d'autre? Ils y sont pas, hein. Sur le site de Jordana, ils ont un site, évidemment. Le site de Jordana Cosmetics, ils font de tout, mais pas de... Pas ces variétés-là, bon bref. Parce que leur nom véritable, assez fap, c'est un peu pierre, c'est les Color Effect Bright Eyeshadow. Ça se présente comme ça. Voilà, ils sont comme ceci. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. De l'autre côté. Ça c'est le green, donc c'est le vert, tout simplement. Ils se cassent pas la tête, ils ont bien raison. Et ceux-là, c'est pareil, ils ont un reflet. Déjà, la petite boîte, elle est vraiment très solide.
C'est solide, ça, c'est du plastique, mais c'est agréable parce qu'on sent que c'est pas, ça va pas se casser rien qu'en l'ouvrant, quoi. Quand on le regarde, déjà, c'est un aspect métallique. C'est vraiment très 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 joli. C'est un joli joli vert et j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, mais alors là, c'est encore mieux, je trouve. Donc, c'est toujours pas poudreux, texture pas poudreuse, comme le Milani. Et celui-là, vraiment, on passe. On a presque rien à faire, je dis. Presque rien à faire. Et je sais pas si vous voyez. Donc ça reste un verre évidemment pâle, donc ça va pas être quelque chose de super super flashy. C'est pas poudreux, c'est une texture, je sais pas si on peut dire crémeuse aussi. Ouais, c'est quand même plus crémeux que les fards à paupières bas de gamme en poudre, quoi. C'est pas du tout poudreux. Ça s'accroche tout de suite au doigt, voilà, c'est l'accroche. L'accroche est extraordinaire. Humidifié, je vous raconte même pas. Alors c'est magnifique, c'est métallique, c'est brillant. Voilà le vert. Ensuite, j'avais pris un jaune, donc yellow, la même chose. Je sais pas si vous arrivez à voir la brillance déjà sur l'image. Mais c'est vraiment extraordinaire. Donc là, c'est pareil. Hop. Fait des petits ronds. C'est un jaune. Un jaune clair, donc forcément c'est pas évident avec ma lumière, mais je peux vous assurer, même si vous le voyez pas, je peux vous assurer que ça accroche immédiatement au doigt. C'est vraiment génial, il n'y a pas besoin de frotter, de frotter, de refrotter. La texture, elle n'est pas sèche, c'est ça, voilà. La texture déjà, elle n'est pas sèche, donc ça, c'est ce qui importe énormément. Ça a l'air de se travailler tout ça, c'est pareil, j'ai pas fait de make-up avec, mais c'est promis, je ferai un tuto avec et j'ai hâte de travailler avec, ça c'est sûr. Ils ont l'air d'en valoir la peine. Vu le prix, c'est phénoménal. Ensuite, le troisième qui est un bleu. Il est magnifique ce bleu. Mais comment vous dire? Comment vous dire? Bleu océan, bleu turquoise, bleu, bleu, voilà, bleu, je sais pas, un magnifique bleu du ciel, bleu dans le ciel quand il fait très beau. Voilà, c'est parti, je le swatch tout de suite. Celui-là, malheureusement, il est déjà beaucoup. Il est plus sec. Au niveau toucher, au niveau texture, pour prélever, il faut appuyer un peu plus que les deux premiers. Voilà, c'est pas poudreux, c'est évident, mais la texture est plus sèche. Par contre, alors une fois qu'on a prélevé, je sais pas si vous arrivez à voir la couleur, mais c'est waouh, c'est vraiment des couleurs magnifiques, c'est vraiment beau. Celui-là, c'est peut-être le moins brillant des trois. Ça, c'est sûr, ce sera le moins brillant. Et honnêtement, c'est des textures moi que j'avais jamais encore vues. Même que ce soit en Make Up Forever, que ce soit en MAC. Ah, oh, MAC, bref. ça veut tout dire, je pense. J'ai été très déçue. Et quand je vois des fards à paupières de cette qualité, je me dis, mais c'est bon, quoi. Ça sert à rien de payer des sommes astronomiques. Genre un fard à paupières à une recharge à 12. Et encore, je suis gentille, 12 euros. Je crois que c'est 14 euros. Enfin, je veux plus dire de bêtises. Donc j'affirme rien, mais c'est minimum 12 euros, ça c'est évident. Alors que là, vous achetez ça, c'est évident, c'est à l'étranger. Il y a un petit peu de frais de port, même pas mal. Chez Ricultura, il y a quand même pas mal de frais de port. C'est bien les commandes coupées. Moi, je suis toute seule, donc pas évident. J'ai pas d'amis qui sont passionnés, donc. Mais bon, quand on fait une grosse commande et vu tout ce qu'on gagne au niveau du, enfin, on peut commander beaucoup de choses à moindre prix par rapport en France. On s'y retrouve quand même à un moment donné, quoi. Ça c'est évident. Donc voilà, c'est les frais de port, c'est ça qui embête un peu, mais quand on voit la qualité des produits, moi ça vaut le coup, je dis oui tout de suite. J'espère que ma revue vous aura intéressé et que, bon, je ne veux pas vous donner évidemment l'envie d'acheter, mais je voulais vous faire connaître absolument. Je voulais vraiment vous montrer que ces marques existent et qu'elles ont l'air vraiment extra. Moi, je suis super emballée par les textures, les couleurs. Donc, si vous hésitez à acheter, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de faire des commandes groupées, allez-y. Foncez, c'est de magnifiques marques. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Abonnez-vous. Allez sur ma page Facebook. Faites-moi un coucou. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao!